à toutes et tous. Content de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. La semaine dernière, j'ai posté une vidéo sur le comment jouer le thème de Donnelly de Charlie Parker. Et donc, j'ai vraiment insisté sur les doigtés à utiliser. Je vous ai posté une vidéo où j'ai ralenti le tempo à 140 à la noire pour vraiment que l'on prenne le temps d'apprendre les doigtés que je vous proposais avec un fichier PDF téléchargeable, partition et tablature, et vraiment se focaliser sur ce travail de doigté qui est super important. Cette semaine, nouvelle vidéo toujours sur Donnelly, et cette semaine donc je vous propose de faire un travail sur l'accompagnement de ce morceau. Alors bien sûr, je suis parti des accords que vous allez trouver sur le fameux Real Book. Je vous mettrai également la grille sur laquelle je suis parti parce que j'ai retouché un ou deux accords, mais en grande partie ce sont les mêmes accords. Mais attention, un accompagnement, c'est pas juste jouer les accords du Real Book, c'est bien plus que ça. Donc pour qu'un accompagnement sonne, il y a énormément de choses à faire, c'est-à-dire que dans cet accompagnement que je vous ai préparé, vous allez avoir beaucoup d'enrichissement d'accords. J'ai enrichi la plupart des accords. J'ai utilisé ce qu'on appelle des approches chromatiques de certains accords. J'ai utilisé des renversements, j'ai utilisé des substitutions, j'ai utilisé des accords de passage. Donc un accompagnement digne de ce nom est une véritable construction riche et qui, c'est comme si vous aviez une seconde voix qui vient accompagner, supporter la mélodie principale. Donc c'est vraiment un travail d'orfèvre. Donc dans cette vidéo, je vais vous jouer ça, toujours à 140 à la noire, que vous ayez le temps d'entendre tout ça et de pouvoir le travailler. Vous aurez bien sûr partition, tablature de téléchargeable. Vous pourrez récupérer ça et travailler en ayant partition et tablature devant les yeux. Et qui dit accompagnement dans ce genre de musique dit rythme. C'est-à-dire qu'un accompagnement sans un placement rythmique n'a aucun sens. Donc j'insiste aussi pour cet accompagnement sur le placement rythmique. En fait, lorsqu'on accompagne un morceau dans le jazz, on est à la fois, en tant que guitariste, on est à la fois le pianiste et le batteur. Imaginez, vous jouez vos harmonies, vous êtes comme le pianiste, vous jouez vos harmonies, et vous êtes à la fois la caisse claire du batteur qui va venir jouer ses harmonies sur des impulsions rythmiques, sur des placements rythmiques très précis, bien placés, qui vont permettre à tout ça de sonner, en fait. Je sais que j'ai longtemps, pour développer mon sens rythmique et mélodique de l'accompagnement, j'ai beaucoup écouté un pianiste qui s'appelle Red Garland, qui a notamment participé à beaucoup d'enregistrements de Miles Davis. Et très souvent, j'écoutais juste le tin, pa, pé, pa, pé, le placement rythmique que je notais. Et après, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'il joue à l'aigu? Il joue tel intervalle par rapport à l'accord, etc., etc. Donc, petit à petit, je m'appropriais sa façon qu'il avait d'accompagner. Voilà, donc un accompagnement, c'est vraiment quelque chose de super riche, quoi. Donc, cet accompagnement s'adresse déjà à des bons niveaux, voire des très bons niveaux. Je ne vais pas tout expliquer dans cette vidéo harmoniquement. Dans les commentaires, on peut y revenir. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, si vous appréciez le travail que je vous propose, faites-le-moi savoir, hein, likez les vidéos, posez-moi des questions. C'est, par les temps qui courent, c'est aussi une façon de nous rencontrer, hein, même si c'est toujours largement mieux et mille fois mieux en présentiel, les uns face aux autres, quoi, pour parler de tout ça. Mais au moins, faites-moi signe, dites-moi, ce travail me plaît, qu'est-ce que tu as fait, j'ai pas compris tel passage, qu'on puisse échanger, les amis. Voilà, bon, j'espère que vous allez apprécier ce travail. En tout cas, moi, c'est une passion que je transmets. Voilà, hein, c'est plus qu'un métier, tout ça. Merci, à bientôt.